Hola, my lover. Omere Mouma, Omere Mouma, Omere Mouma. Omere Mouma, Omere Mouma, Omere Mouma. Omere Mouma, Omere Mouma, Omere Mouma. Jesus, Omere Mouma, Omere Mouma, Omere. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Delphine de Delefonga TV. Je suis dans le développement personnel, j'adore le développement personnel, je suis dans les relations amoureuses, relations amoureuses, relations des couples, mariage, mère célibataire, enfant et la famille en général. Si c'est un contenu qui te plaît et que tu es passé juste par hasard pour découvrir cette chaîne, n'hésite pas en tout cas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Ne demandez jamais à un homme qu'est-ce qu'on est, mes lovers. Cette vidéo, elle va être courte. Je vais juste te donner des affirmations de comment aborder la question quand on débute une relation avec un homme. D'accord? Ne dis jamais à un homme qu'est-ce qu'on est tous les deux. C'est une question qui est vague. Les hommes, ils aiment des femmes qui s'affirment. Les hommes, ils aiment des femmes qui ont confiance en elles. Les hommes, ils aiment entendre avoir en face d'eux des femmes des valeurs. Les femmes qui s'affirment, qui ont confiance en elles, d'accord? Les femmes qui ont la tête sous les épaules. Alors, quand tu parles à un homme, il faut qu'il sente que j'ai affaire à une femme qui sait ce qu'elle veut. Oui, my lover, on n'est pas dans les blablabla. Et les pieds sur terre, d'accord? Et tes deux pieds sur terre, d'accord? Mais il en fait, et les deux pieds sur terre, et pose de bonnes questions, montre l'affirmation à cet homme-là, montre l'intérêt que toi, tu as sous cette relation, l'intérêt que tu as porté à ces débuts de relation, en la personne de l'homme qui est en face de toi. Là, l'homme va sentir que voilà, j'ai affaire à une femme qui sait ce qu'elle veut et lui aussi, il va te montrer ce que lui veut, d'accord? Si tu es dans les questions vagues, tu demandes à un homme qu'est-ce qu'on est. Ça dit que tu es en train de lui demander, toi et moi, on est quoi? On est comment? C'est une question qui est vague, my lover. L'homme a besoin d'entendre des affirmations de ta part. Qu'est-ce que tu dois répondre? À la place de demander qu'est-ce qu'on est tous les deux, dis plutôt à un homme, parle-lui affirmativement. Je sens qu'on passe vraiment des bons moments ensemble tous les deux. Je sens vraiment que je suis bien avec toi. J'ai envie de plus avec toi. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Là, c'est une question qui est affirmative en même temps. Tu montres à l'homme que tu es intéressé de cette relation. Tu montres à l'homme que toi, tu es intéressé par lui. Oui, my lover. Il sait maintenant dans sa tête que oui, cette femme-là a besoin de quelque chose de concret. Cette femme-là, elle sait ce qu'elle recherche. Elle sait ce qu'elle est réellement. Voilà, il ne faut pas poser des questions vagues à un homme. Les hommes sont comme des enfants. Va droit au but. Voilà, montre-lui que toi, tu es intéressé par lui. Montre-lui que votre rencontre t'a fait du bien et que tu passes des bons moments avec lui. C'est de ça qu'il s'agit, mes lovers. Les hommes, ils ont besoin d'entendre ça. Ils ont besoin de voir des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Je me répète, mais c'est juste pour insister, pour te montrer à quel point savoir ce qu'on veut dans une début d'une relation est important pour un homme. Oui, des fois, nous, les femmes, on se plaint, on se dit que cet homme-là, c'est pas ce qu'il recherche, il dit pas des choses, il est vague et tout ça, parce que toi-même aussi, tu es vague. Oui, my lover, parce que toi-même aussi, tu sais pas ce que tu recherches. Parce que toi-même aussi, dans ta tête, tu ne montres pas à cet homme-là que tu recherches quelque chose de concret. Tu ne montres pas à cet homme-là que tu es une femme qui sait ce qu'elle veut, que tu as la tête sous les épaules et si tu sais ce que tu recherches. Les hommes, ils ont besoin d'entendre ça. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit, my lover? La vidéo, elle est courte, mais partage-la autour de toi. Si peut-être il y a des femmes qui ne savent pas, les hommes ont besoin d'entendre des femmes qui savent ce qu'ils veulent. Les hommes ont besoin d'avoir en face d'elles des femmes qui savent ce qu'ils veulent, qui ont la tête sous les épaules. Oui, tu ne vas pas être devant un homme là en tâtonnant. Si tu passes les bons moments avec cet homme-là, dis-le-lui. Je sens vraiment, je suis bien avec toi. Je sens vraiment que je passe des bons moments avec toi. Mais j'ai envie de plus. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que tu en penses de l'idée?
Qu'est-ce que toi tu en penses de ça? J'ai envie de plus avec toi. Montre l'intérêt que tu as sur cette nouvelle relation. Montre l'intérêt que tu as pour lui. À ce moment-là, lui aussi, il va exprimer ce qui est dans le profond de son cœur. Il va exprimer, il va parler et tu vas comprendre tu as affaire à qui. Voilà, my love. J'espère que cette vidéo, ça t'a fait du bien. Kamislamida. Kamislamida, my love. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vamos, ciao ciao. With you, I can't be sad. With you, just take my hand and fly up through the